Initié en janvier dernier par Alain Houillon, acteur de l'éducation et président de l'ONG Action Citoyenne pour la promotion de la famille, la première édition des activités du Creuset de l'Union Saint-Joseph des couples mariés s'est tenue le samedi 19 mars 2022 à l'église Immaculée d'Alada. Pour le père de ce Creuset national des couples unis par le sacrement du mariage, plusieurs raisons justifient cette initiative. J'ai fini par initier ceci parce que d'abord, je suis un produit de l'Église. Donc, je ne peux pas, maintenant que je suis à la retraite, croiser les bras. Donc, observant ce qui se passe dans l'environnement ecclésial, j'ai fini par découvrir que, en fait, il se passe des choses terribles et pour lesquelles il faut apporter quelques solutions. Et la thérapie, c'est de pouvoir réunir tous les couples unis par le sacrement de mariage pour que de temps à autre, on ait des moments de ressourcement. Cette première édition des activités initiées dans le cadre du Creuset de l'Union des couples mariés a été marquée également par plusieurs enseignements et communications. Le consentement est le mariage. Constitue une église domestique et joue un rôle important au sein de la grande famille ecclésiale, selon Alain Houillon. Nous voulons que les couples unis par le sacrement de mariage comprennent que juste à l'issue du sacrement de mariage, on acquiert une nouvelle identité qui est l'église domestique. Mais malheureusement, il y a plein de couples qui ne savent pas. Alors que l'église domestique a une mission au sein de la grande famille ecclésiale. Donc c'est pour ce travail qu'on est là, parce qu'il y en a qui ont régulièrement fait le mariage, mais qui se permettent des actes de déviance sexuelle, que ce soit les hommes, les maris, et que ce soit les femmes aussi, et qui succombent au charme de certaines personnes insoupçonnées. Et nous avons un noyau national qui travaille, et déjà, je crois qu'il suffit seulement qu'il m'appelle au 66 15 60 55, 66 15 60 55, ça c'est le frère Alain, pour qu'ils intègrent la grande famille des couples unis par le sacrement de mariage. Ravis de ces moments partagés ensemble, les couples présents se disent satisfaits et lancent un appel aux autres pour la prochaine édition. Bénissons le Seigneur pour cette occasion pour vivre les réalités de la famille sanctuaire mariale à travers l'écoute de sa parole. Pour connaître davantage les réalités, la mission qui est la nôtre au sein des couples mariés par le sacrement du mariage. Disons merci à la Sainte Famille et spécialement à Saint-Joseph, puisque c'est ça sous la vie. Et nous invoquerons son intercession pour obtenir l'abondante grâce et mener à bien cette mission que le Seigneur nous a confiée. Celle de la procréation. C'est de cette édition que le message va beaucoup plus véhiculer. Donc nous serons les porte-parole de cette édition pour pouvoir
raconter les merveilles et les grâces reçues autour de nous et sensibiliser davantage les couples pour que la prochaine édition soit plus haussée et haussée. Il est à rappeler que l'Union Saint-Joseph des couples mariés se veut un creuset national des couples mariés pour le bien-être des familles et de la grande famille ecclésiale.